pas fait de vidéo pendant. Enfin, ma dernière vidéo que j'ai faite, c'était le film que je faisais créer, que j'ai créé, enfin à peu près. La dernière vidéo, c'était le film de Hero Factory et machin là. Et bon, ça j'y ai fait parce que je voulais en, c'était une vidéo vite fait. Mais sinon, je n'ai pas fait de vidéo comme celle-ci que je vais faire maintenant. Comme vous avez sans doute vu dans le titre, comme vous avez vu le titre, ce seront les courses givrées. Non, je ne vais pas prendre ça. Et oui, je ne prends plus le quad. Alors. Bon bah, je vais voir si c'est possible de faire trois courses. Alors, on va alors la première. Le royaume sorbet qui fait partie des courses givrées. Sinon n'hésitez pas à mettre dans le lien de la description. Enfin dans le lien dans la description. N'hésitez pas à mettre les courses que vous voulez que je fasse en commentaire. Enfin si vous avez marqué le cartouche vous aussi. Bon pas la peine de vous faire présenter Mario Kart 8. Allez, c'est parti! Si vous tendez l'oreille, la musique est super rigolote. Pas parce que c'est pour vous laisser regarder. Je vous ai déjà à peu près déjà tout dit dans les premiers épisodes de Mario Kart 8. Ah oui, au fait, j'aurais quelque chose à vous dire, mais par contre, ce sera vers la fin de la vidéo que je vous préciserai. Une petite surprise. Oh merde! Dommage que dans la vraie vie on peut pas se faire de vrais saltos comme ça avec une petite voiture. Hein. Et clac. Un dernier tour. Allez, maintenant on met le paquet. Aussi j'ai oublié de vous dire c'est que j'avais oublié de préciser, vous allez peut-être vous dire mais on s'en bat les couilles, on s'en fout bref, c'est que ma chaîne YouTube a fêté ses 1 an pas le 1er janvier mais le 2 janvier. Le 2 janvier ma chaîne YouTube vient de fêter ses 1 an. Je suis fière. Bon, alors la deuxième...
Anesthésie ou un Valtorace, malheureusement. J'espère que cette nouvelle voiture, ça va le faire quand même. Ouais, c'est fait. Ah, je crois qu'elle me plaît bien, cette voiture. Bon, bah, tout compte fait, je vais abandonner mon quad et je prends cette voiture-là. N'empêche, Nintendo, ils ont dû en chier pour les graphismes un petit peu, je trouve. Ils ont un petit peu en chier. Bon, après, ça rivalise pas avec Call of Duty sur PS ou Xbox. Ah, non, gloop ça. Donc je vais vous le dire maintenant, comme ça pendant que je fais la descente, c'est que la petite surprise que j'ai pour vous, c'est qu'en fait je vais peut-être m'acheter un nouveau jeu sur Wii U. Bien évidemment, j'essaierai de faire des vidéos avec. Et à vous de deviner. Alors le truc, c'est que vous devez... Oh, parce que moi, j'arrive pas à l'expliquer. C'est que le truc, vous devriez essayer de vous... de trouver quel est le nouveau jeu. Alors, je vais vous donner un indice. C'est un copain... Alors, c'est dans un jeu vidéo, bien évidemment. C'est un copain de Mario et Luigi. Et c'est un petit champignon. Alors là, si vous ne trouvez pas, alors vous mettez le nom du jeu dans le lien, enfin dans le commentaire et on verra bien. Et on verra ce qui ont trouvé. Et j'ai gagné. Donc je suis premier. Allez, pour vous faire plaisir, je vais faire une petite course bonus. Mais je vais voir si je peux essayer de trouver un moyen pour que ça soit bien fait. Pourquoi ils font toutes les routes arc-en-ciel dans le ciel? Bon, c'est marqué, hein. C'est les créateurs, c'est eux qui voient. Hein. Wow. Et je crois que elle aussi, c'est une course en une seule fois. Hein. Oh, il est trop jeune. Il est trop sympa, il met des pièces de partout.
5 minutes plus tard, quoi. Là, tu tombes, il te ramasse tout de suite. Ah, Bowser. Encore. Ça cache, ça gâche toute... Ça pourrit l'ambiance, ça. Normalement, pour les courses en, avec une belle ambiance, on devrait interdire ça. Donc voilà, je viens de terminer ces trois courses. Bon, on peut dire que je suis largement premier. J'ai été premier trois fois. Donc voilà, donc c'était le petit U13. Ah, faut trop faire. Donc c'était le petit U13 sur Mario Kart 8. Alors, mettez un lien dans la description, mettez un commentaire le jeu dans lequel je vous ai parlé, enfin, que vous devez essayer de trouver. Bon, je vous ai donné quand même deux flagrants indices. Bon, je vais vous redonner les indices. C'est un copain de Mario comme qui est si plaisant. Et, c'est un champignon, enfin une sorte de champignon. Alors là, si vous ne trouvez pas, vous êtes vraiment des burnes. Non, je déconne, vous n'êtes pas des burnes. Je m'excuse, je suis désolée. Donc voilà, c'était le petit U13 sur Mario Kart 8.